Suite de Napoléon, Total War. Nous avons subi une défaite, mais une défaite de bataille ne veut pas dire la défaite de la guerre, bien sûr. L'Autriche et Vienne nous ont repoussés. On est arrivé un peu trop confiant, tu vois, avec des armées pas complètement soignées après avoir conquis l'Italie. On s'est dit, on y va, on perd pas de temps. En plus de ça, j'avais préparé l'armée de Murat, qui est ici. J'ai oublié de l'envoyer en soutien. Alors que bon, je l'avais laissé là pour exprès, tu vois. Donc quelle erreur, échec bien sûr, hein, on est déçu. D'ailleurs Murat, non, on va rester là pour l'instant. Et Napoléon, il s'est pris une petite balle dans la tête, mais tout va bien. Toujours en vie, pépère. Costaud, tu vois, c'est Napoléon, hein, tu vois, il va pas mourir. Hein. Un meneur d'hommes charismatique peut valoir toute une armée si vous le placez au bon endroit et au bon moment. Ok. Très bien. Et puis voilà. J'avais pas deux autres armées là. Elle est où ma deuxième armée? J'avais pas une armée. Attends, fais voir la liste. Il me semble que j'avais une armée qui Picardie. Ah bah ils sont là. Ah oui. Eux j'avais envisagé de faire un débarquement en Angleterre. Bon, à voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Attention, hein. Les Anglais là. Molo molo, hein. Je peux pas aider de toute façon. Mais mollo mollo. Hein. J'avoue, je tenterais bien un débarquement en Angleterre. J'avoue. J'avoue que ça me tente bien. J'ai ultra chaud, par contre. Je vais suer. On a notre flotte qui était en train de revenir, si je me souviens bien. C'est bien ça. Alors, non, eux font ça. Et la flotte est ici. Quelque part. À un endroit. Elle est à un endroit. On sait pas trop où elle est, mais elle est quelque part, quoi. Flotte. Aïe. Ok. Toi, t'es en train de... Ok. Oh! J'ai encore un navire marchand. Mais écoutez, on va continuer, hein. On va continuer. On va aller chercher ça. On est en guerre face à l'Empire Ottoman, donc il faudra faire attention. Mais on va aller chercher ça. Victor Durand. Ok. Ça marche. Ici, ça a l'air pas mal. Région, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Population. La population est en baisse partout là? Ah bon? Comment ça se fait? Parce que j'ai recruté partout peut-être. Bon, je ne sais plus. En avant! Ah, faut que j'accélère. Troupe! Il est parti faire un petit raid. On gagne combien par mois? Bon, 6 000, hein, quasiment, hein. Oh, attention, là, il commence à perdre des points de vie. Hein. Il commence à perdre des points de vie. Les Russes. Oh, d'accord, ok, attention les Russes. Attention les Russes. On a l'Italie qui se balade, elle se promène, elle est partie se promener sur les bords de côte. Bien joué, ça, ils ont raison de profiter un petit peu, hein, c'est chez eux. Hein, donc. L'Espagne. Je sais pas pourquoi ils font des allers-retours. Réseau d'espionnage mis en place. À Prague. Ah ah! Alors, est-ce qu'on peut assassiner? Quelqu'un. 47% de tués. Johann Sigmund von Reich. Votre agent a été repéré. Merde. Bon, raté. On aura tenté. Ouais, on gagne bien 6 000 par mois. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. On va continuer de refaire notre armée avant d'envisager quoi que ce soit d'autre. Et nous verrons après, quoi. Hein. Après, c'est vrai qu'on pourrait potentiellement... Non, non, hey, refaisons d'abord des troupes. On va refaire un peu d'artillerie comme ça. Voilà, dans les Flandres. Au niveau cavalerie, bon voilà. On va faire ça. C'est 8 tours là! Oh, c'est loin. Hein. On n'est pas arrivé. Hein. On n'est pas arrivé. Hein. Et ici, ok. Ça me semble pas mal. Pour l'instant, en termes d'armée, on est pas mal. Je vais investir dans des bâtiments. Hop. Très bien. Et à Innsbruck, on a des choses aussi à Innsbruck. Ah non, Innsbruck, je peux pas faire. On peut recruter à Innsbruck? Ah ouais, on peut recruter à Innsbruck. C'est pas une mauvaise idée. Hop, on a recruté un peu à Innsbruck. Très bien. Avec ça, on est pas mal. Let's go. Alors, les Espagnols sont là. On attend vos ordres. Mais je sais pas si... Je sais pas si le commerce, ça fonctionne tout seul. Ou s'il faut ramener nos navires.
Faudrait que je regarde ça. Parce que je suis pas certain. Parce que tu vois, au final, il reste un tour et ils sont bons, quoi. Ah là, la Bavière, elle a perdu, là, contre l'Autriche. Attention, hein, bouge pas, mon grand Jive, hein. Eux, ils sont partis faire le tour de la montagne, en fait. Petite balade du mois, en janvier, ils se sont dit, ben pourquoi pas. Et pourquoi pas faire un petit peu le tour de la montagne. Tu vois, ils font des allers-retours, je comprends pas ce que ça fait. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi t'es obligé de faire ça? C'est constant, ça a beaucoup changé, E4. Non, mais tu vas voir, les guerres, elles sont trop bien. Enfin, les batailles, elles sont trop bien. C'est toi qui les fais. C'est trop bien. Cour de justice. Là, on n'a pas le niveau. Grand arsenal. Opéra. Capacité de recrutement. Vas-y, je fais un opéra. Et on l'investit à Paris. On l'investit à Paris. Pourquoi pas? Hop, voilà. Très bien. On avance. Il est parti là-bas, lui. Jetez l'ancre! Hop, 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 un mollo, mollo, vous là. Et on va envoyer Murat. Repousser un petit peu les Autrichiens, parce que les Bavarois, ils font... Ah, bien joué, les Bavarois. Oh, ils continuent! Ça poursuit. Bavière. Munich. Munich qui fait la diff. Munich qui repousse l'invasion autrichienne. Ah, voilà, on est attaqué, forcément. Je fuis, hein. On n'a pas le droit de faire de commerce chez les Ottomans. On peut les comprendre. Bon, bah, auto-résolution. Oh non, j'ai perdu mon navire. Ils étaient 10. C'est surprenant, quand même. Infamie! Les Ottomans. Pourquoi ils font des allers-retours? Il faut faire des allers-retours, je sais pas. Moi. Rend possible les tirs et les manœuvres d'avancée de la ligne d'infanterie. Rend possible les tirs et les manœuvres d'avancée de la ligne d'infanterie. Pas tout compris. J'ai pas tout compris. Ah oui, ça va être à débloquer. Amélioration du doublage de cuivre en cuivre. Pour les navires. C'est pas mal ça aussi. Hein. C'est pas mal ça non plus. Hein. Mais comment ça se fait que j'ai qu'une seule université? C'est fou ça. Pourquoi j'ai qu'une université? Je peux pas faire plusieurs recherches d'un coup du coup. Je suis pas censé en avoir plusieurs? Société secrète. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir une société secrète? Ça donne des espions, mais bon, les espions, au bout d'un moment, on s'en fout, non? Innsbruck. On peut pas faire. 8000! Ouais, d'accord. Qu'on machin. Une mine. Une mine! Maison de marchand. Propriété viticole. Ouais. Du vin. On est français, on veut du vin. Armée. Ah ah! L'armée de Napoléon, elle n'est pas encore full full, mais elle commence à être très très intéressante. Parce que, bah si, elle est full. Napoléon, voilà. Alors, tu laisses la milice, hein, par contre. Il n'y a pas de milice? Si. Tu laisses la milice gérer à Paris en cas de rébellion, tu vois. Tu viens par ici. D'autres ordres? Fusil, fusil, fusil. Ah bah non, bah c'est bon en fait. Hein. Et hop! Oui, monsieur! Oui, mon lieutenant! Entendu, mon lieutenant! Sir, yes, sir! Ok, ok. Commando. Recrutement. Un tour et plus 3 pour avoir un peu plus de cavalerie. Bah écoutez, je pense qu'on commence à être pas mal, hein. On va pouvoir contre-attaquer. Alors, ça va être des armées non améliorées, quoi. Hein, malheureusement. On a tout perdu. Ils ont plus leur capacité. Enfin, leur... J'ai perdu le mot. Après avoir passé... Ah, bien. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Agent? On peut assassiner? Non, on peut pas. Saboter? Saboter l'armée. Votre agent a échoué dans sa mission de désinformation de l'ennemi, mais a réussi à s'échapper sans se faire repérer. Il atteindra de nouveau. Ouais, bah écoute, t'es pas très très bon, hein, on peut le dire ou ça va te vexer. Magistrat. Ah, cantonnement, fonderie, théâtre. Ça m'intéresse pas. Strasbourg, comment ça se passe à Strasbourg? Vous êtes heureux, Strasbourg? Ça va, y'a personne de mécontent, quoi. Peut vous mettre un petit théâtre. Cantonnement, ça fait quoi? C'est un truc de recrutement, quoi. Je vais vous mettre un théâtre à Strasbourg. Petit investissement à Strasbourg. Tiens, hop. Strasbourg, investi. Pourquoi j'ai pas de...
Ça me frustre. Hein. Société secrète. Hop, un petit opéra ici. Très bien ça. Napoléon. Votre humble serviteur. Napoléon. Tu vas repasser par ici, Napoléon. Comment ça ici là. Tu passes par où? Tu passes par en haut. J'aimerais bien récupérer quand même Murat, quoi. Rien de ça, l'armée de Murat. Incroyable cette armée aussi, ça. Ah, on est content avec ça. Je peux. C'est un test. Voilà. Je vais ajouter. Ça. Et je vais mettre un peu de cavalerie. Lancier. Chasseur à cheval. Lancier. Chasseur à cheval. Chasseur à cheval, il tire. Hein. Je vais faire ça. Comme ça, Murat, il a de quoi charger. Il a quelques fusillés. Oh, à la limite, vas-y, je vais vraiment faire un spécialiste de la cavalerie. Hein. Là, je peux plus, hein, de toute façon. Je peux encore, là? C'est pas vrai. Non, je peux plus. Ok. Napoléon, il a full artillerie. 2, 4, 6 artilleries. Et Murat, il va se balader avec de la cavalerie. Ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Et on laisse les deux côte à côte, quoi. Les deux seront sur le champ de bataille en même temps à chaque fois. Murat arrivera en renfort. Avec sa cavalerie, ça ira vite. Et tout. Bon, nos navires, ils sont en train de bouger. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh vache, la misère pour sortir de la ville, quoi. Ouais, peut-être va falloir qu'on passe par Bavière. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'armées autrichiennes, ouais, en Bavière. Faut repousser les Autrichiens en Bavière. Attention, les gars. Attention, les gars. Venise. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme recrutement? En Picardie, etc. On a continué de recruter des pépères. Calais, Picardie, Champ... Ah, cale sèche en Picardie. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi? Merci beaucoup, bienvenue, juge suisse. Ça va nous permettre de faire une meilleure marine avec... Waouh, 122 canons. Boum. Ça part là-dessus. 10 tours, c'est long? Oui. Mais on l'aime bien. Oh, énorme. Énorme. On va commencer à booster un petit peu notre puissance là. Moins 1 en bonheur. Moins 3% en coût de recrutement, plus 250 richesses. Oh, c'est quand même mieux la manufacture. Hein. Quand même mieux la manufacture. Quand? Infrastructure, recrutement. Du coup, vous, armée là. Fusillé, chasseur. Votre humble serviteur. Oui, monsieur. Oui, mon lieutenant. Entendu, mon lieutenant. Ok, ok. Tiens, tu vas aller là. On va commencer à grossir les rangs aussi de Nicolas Davout. Louis Nicolas Davout. Et Guillaume Marie-Anne Brûle. Pour tenter une invasion de l'Angleterre. Ça va peut-être être tendu, hein. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Monsieur, tu peux aller jusqu'où, toi? Votre humble serviteur. Votre humble serviteur. Prêt à recevoir vos ordres. En position. Dans un tour, on a deux de cavalerie de plus qu'on mettra dans l'armée de Murat. Ok, ça me semble pas mal, ça. Normalement, ça va le faire. Hein. Et pop, hein. Ils essaient de récupérer Innsbruck. Ah. Ils ont tenté de repousser le siège, mais ça a été tendu. Bon, Innsbruck, ça va être chaud pour arriver. Je pense qu'on n'aura pas le temps. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qui c'est ce gars-là? Il fait rien, lui? Ah non, c'est un Italien. Bon. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ville assiégée, Innsbruck. Ouais, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Combien de temps avant qu'elle cède? On ne sait pas. On ne peut pas savoir, ça? J'arrive pas à savoir. Quand est-ce qu'on sait? Nous espérons que ces courageux défenseurs seront assez forts pour repousser l'invasion jusqu'à l'arrivée des renforts. Ah, on a un petit peu d'armée, hein. On n'a pas non plus la folie, mais on a un petit peu d'armée pour tenir. Il y a Murat qui va arriver, Napoléon aussi.
Napoléon, il est là dans deux tours, quoi. Ouais, peut-être trois. Hein. Peut-être trois tours. Hein. Drop ! Murat spécialiste chasseur. Ok, c'est pas mal ça. Homme ! Très bien. Recrutement naval. Navire cargo. On va s'en faire 3. Pour multiplier la rentrée de sous-sous. Et on sait pas. Tour avant édition 3. Ok. Ça marche. Bon, on devrait arriver. Là, on est en train de ramener notre flotte. On devrait sauver Innsbruck assez facilement. Je sais pas pourquoi ça fait deux fois l'air. Mais pourquoi faire? Vous vous défendez contre une force? Ah oui, parce qu'ils attaquent en fait. Allez, on peut rien faire. Léon Guiwe, on peut rien faire. On va pas chercher à se défendre, on a pas d'artillerie, on a rien. On a que des citoyens armés, autant vous dire qu'ils ne servent à rien. Hein. Les fusils allemands, ils vont en faire qu'une bouchée. Autorésolution, et c'est pas grave. Innsbruck est tombé, mais pas pour longtemps. On va y récupérer ça. On l'arrive, de toute façon. On l'arrive, avec Napoléon. Le but, c'est de prendre toute la map ou pas? Non, le but, c'est de prendre les objectifs. Les objectifs, c'est... Alors, mon premier objectif, c'est de faire tomber... Vienne? Vienne? Votre nation a perdu. Armée détruite, oui, bon, après, ils étaient pas vraiment là. Amélioration du blage en cuivre, technologie en recherche, ok. Suite d'une montée de méfiance. Alliance rompue, Autriche-Prusse. Alliance rompue. Suite à une montée de méfiance, cette solution entre... Oh bah t'as tout perdu l'Autriche, quoi. L'Autriche a tout perdu à faire ça, quoi. En me prenant Innsbruck, il y a tout le monde qui lui dit « Ok, bah écoute, on t'aime pas beaucoup, en fait. » Votre agent a rempli sa mission. Ah bah enfin. Ok, il faisait rien jusque-là. Du coup, c'est... Alors, mes objectifs. Il faut que je prenne Berlin. Berlin, qui est ici. Ah, parce que je suis en guerre contre les Prusses maintenant! C'est pas vrai. Merde. Ah, ça c'était pas prévu. Pourquoi? Et Vienne. Berlin et Vienne. Une fois que j'aurais fait ça, j'aurais autre chose. Mais. Ah, bah les Prusses sont arrivés, quoi. Salut Shark, merci beaucoup. Bah écoutez, pas très grave. On va aller s'occuper de ça tout de suite. Hein? Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur, vous avez tout compris, monsieur. Immédiatement, mon bon monsieur. D'autres ordres? Recrutement. Hop, 80. Ce qui fait que dans 8 tours, on a un canon de 122, enfin un navire de 122 canons et un de 80. Déjà, ça va booster légèrement notre puissance militaire. Enfin, marine. Oui, team. Bon, on va rechercher une drogue. Ah, il faut passer par là. Oh la misère. Aux armes! Ok. Un autre personnage vous bloque la route. C'est pas grave, on a peur de rien. Donc. C'est Napoléon. Hein. 1700, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On pourrait faire une magistrat ici, ça augmente notre argent, c'est très très bien. Quand? Amélioration. Ok. Ok, ok. Bon, du coup, je suis en guerre contre les Prusses alors. Ah, je suis en guerre officiellement contre toutes les nations majeures de la map. Enfin, sauf l'Espagne, parce que c'est mon allié. Et qui m'aime bien, en plus, ils sont sympas, les Espagnols. Quand même. Ouais, ils aiment bien, les Espagnols. Attitude des autres nations envers la nation sélectionnée. Ouais, ça change pas grand-chose, quoi. Bon, bah, go. Alors, j'arrive à rapprocher ma flotte sans me faire attaquer, donc ça, c'est positif. En même temps, c'est vrai que j'ai essayé de prendre Vienne comme si ça allait être facile, alors que... Oh, les chacals, ils m'attaquent mes navires. Retraite. Pour votre salut. Mais va pas là-bas, tu veux une retraite, tu vas te cacher à un autre endroit. La flotte est perdue. La flotte est perdue, bah ouais. Infamie. Infamie. Oh, ils se sentent plus poussés, enfin ils se sentent pousser les ailes. Les Autrichiens, là. Ils attaquent même Milan, maintenant. Par contre, à qui ils appartiennent? Parce que j'ai pas vu la couleur, là.
J'ai pas reconnu la couleur. C'est toujours l'Autriche? Ah oui, non, mais il n'y a pas les couleurs dans des trucs comme ça. D'accord, ok. Bon, Milan, hein? On tient. J'arrive, je suis là. Je suis juste... Vous avez vu? Je suis là. Je suis en train d'arriver. Innsbruck, ça tombe. Derrière, on est bon. C'est ça. Flotte détruite. Bâtiment construit. À Strasbourg. Route de Tayre. Officier sur le pont. Hop, on va se mettre ici. On va attendre un tour, on viendra se cacher là. Puis on viendra caler. Ok. Comment ça se passe? Du coup, Napoléon. Tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt. Alors, attends. On va avancer ici, histoire d'avoir nos renforts. Hein? Ça va être plaisant d'avoir les renforts. Autre chose? Préparez-vous! Prêt à recevoir vos ordres! Ok. Monsieur! Monsieur! Préparez-vous! Ok. Donc là, Innsbruck devrait tomber. Alors, enfin, si là ça tient, je comprends pas comment c'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? 3. On va attaquer d'abord avec ça. Donc on va rapprocher eux. En avant, marchez. Prêt à recevoir vos ordres. D'autres ordres. Ok. Bah c'est parti pour la première guerre contre la Prusse. Nous sommes en supériorité numérique. Par contre, ils ont beaucoup de cavalerie. Il va falloir gérer la cavalerie, quoi. Ah non, on n'est pas en supériorité numérique. On est à peu près équivalent, quoi. En même temps, ils estiment à 50%. Et bah, c'est parti! À l'assaut! Allons chercher Clèves. Guillaume Marianne Brune, Louis-Nicolas Davout, face à Gottlieb Wisberg et Auguste von Giesnau. Les Prussiens ont pris Prague. Les Prussiens ont pris Prague? Ah ouais? J'ai pas fait attention. Faudra que je vérifie. Bon, après Prague, de toute façon, bon. Moi, il faut que je fasse tomber Vienne. Si je fais tomber Vienne, l'Autriche, elle a signé un traité de paix. Après, je pourrais m'occuper du reste. Ah, alors c'est parti, combat! Alors, sachant que j'ai des renforts qui vont arriver, hein, bien sûr, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Vous, vous allez vous reculer. L'artillerie. Ici. Ici. Ouais. Merci beaucoup, qu'est-ce que c'était? Pour la mauvaise blague. Je m'auto-banne quand je suis seul. Punaise, une attaque de Milan, c'est son. Ah, c'est long. Ah, Milan, j'avais pas compris. Milan. C'est vrai que ce serait long. Mais non. Du coup, je pense qu'on va se mettre ici, hein. L'artillerie, c'est pas si mal, hein. Batterie au rapport. Batterie au rapport. Je sais pas pourquoi ça le fait en double. Bon, c'est pas très long. Mais... ok. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. En plus, là, ils ont personne. Ils vont se faire full canarder. C'est très très bien, ça. Moi, ça me va. Hein. Qu'est-ce qu'on a par là? On a ici régiment de milice et ici milice aussi. Ah oui, d'accord, c'est de la milice. Hein. Ah oui, c'est milice. Hein. Bon, la milice, milice en première ligne dans l'absolu. On va mettre une de chaque côté. On va mettre un fantassin ici, en soutien. C'est quoi? C'est une cavalerie de charge, là. Donc de toute façon, elle va se partir sur le côté. On va essayer de se cacher avec eux. Milice, milice. Ici, on a quoi, là? C'est quoi, ça? Lancier. C'est de charge aussi, ok. C'est quoi, ça? C'est fantassin, fantassin. Milice, fantassin. Milice. Bon, ici, on a deux fantassins, une milice. Et là, on mettra trois milices, un fantassin. Troisième régiment de milice, garde nationale. Je sais pas ce que c'est la NIF. On les déplacera correctement après avoir lancé la bataille. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On sait ce qu'il fait, lui? Habilité. Rallier camarades, inspire les unités proches. C'est tout ce qu'il fait? Il sert à rien, en fait. Il a pas de bonus particulier, lui. C'est une chèvre. Et ben, il sera derrière l'artillerie. Eh ben c'est parti, en avant.
Bon. Vaincre la déroute en sacrifiant une unité est un bon moyen de leurrer l'ennemi pour le faire sortir d'une position défensive. Ça tire direct là-bas parce que c'est là où il y a le général. Dans une embuscade. Mais attention, fausse déroute rapidement s'est transformée en une véritable. Hop. Lancier. Lancier. Oh, qu'est-ce que c'est bien, je. J'avoue que je suis déjà repris dedans, quoi. Horde de groupe. On va se mettre ici. Lancier. Les lanciers vont se mettre là. Les renforts sont en train d'arriver de leur côté. De notre côté aussi. Ils ont de la cavalerie qui arrive en force. Nous, qu'est-ce que c'est? On sait pas ce que c'est. On les voit pas. État-major, ok. On a tué le général ennemi déjà. Pff, quel génie. Ça part en dépression. Hein. Batterie au rapport. Tiens, fais un tir là-dedans. Là, on est pas mal. Moi, je pense que ça va être gagné cette bataille. On croit pas, on voit pas la défaite. Je pourrais venir me cacher là-dedans, mais en même temps, l'artillerie, ils en ont pas, j'ai l'impression. État-major des général. Ah ouais. Ah ouais. On prend position dans la forêt. Si on a les hauteurs, on est bien. Enfin, si on a la position de la forêt, on est content. Ok, stop. Oh, c'est tellement stylé. Pop, 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 et mollo, hein, les gars. Vous avez vu le tir que vous avez fait, là? Vous avez tué les potes. Ouais, en carré. On se met en carré, on se met en carré. On se positionne ici, là. Ok, là-bas, ça a fui. Là, vous me les mettez la pression ici. Hein. À gauche, c'est géré. À gauche, c'est géré. La cavalerie, il n'y a pas de souci. Où sont les renforts? Pour l'instant, ils sont encore un peu loin. Si on n'en a pas besoin, on les utilise pas. Là, je vais les faire courir. Si on peut éviter de les perdre bêtement, ça peut être pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est de la milice, hein, de toute façon, là. De toute façon, la milice, c'est la milice, quoi. Ok. Oui, monsieur. On tire ici. Ah bah, ça part en cacahuète, hein. Ça part en cacahuète, ça, c'est du génie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toi, tu vas me faire une charge là-dedans, là. C'est parti. On charge dans les fantassins. Prussien. Et si on a les renforts? Un état-major qui va venir se mettre ici. Fais-moi une charge ici, là. Attention derrière, les gars, derrière. La charge de la cavalerie ici qui passe. Boum. Tu peux te dégâts, un petit peu de dégâts, un petit peu de pression. Boum, c'est parfait. Un petit repli, les gars. Un petit repli, on perd pas de temps. Et eux, ils vont tirer là. Pff, c'est le géré, ça, c'est du génie. C'est du génie. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Ok, chargé. On charge pas sur le côté, mais c'est pas gênant. Ici, c'est passé. Alors, par contre, l'artillerie, attention, parce que vous faites nappe, là. Tirez plus là-bas. Hein? Fait comme ça. Vous allez stopper, là. Ils sont partis. Très malade. Et vous, vous allez venir prendre position ici. Ok, ici c'est fait. Parfait. Vous allez avancer jusqu'à la forêt ici. C'est ça, cervelle! Par contre, on a pris un état-major. Ordre de groupe! Ok, très bien. Pff, quelle gestion! Quelle gestion d'une des plus grands stratèges, bien sûr. Une milice dans la baraque sur le flanc gauche. Non, non, on a le terrain. On a la position. Faut juste qu'on avance pas trop. C'est quoi, c'est de l'artillerie, ça? Ah ouais, c'est de l'artillerie, ça. Faut juste qu'on avance pas trop pour que notre artillerie puisse continuer de faire quelque chose. Voilà, on va rester ici.
Ah, attendez, parce que là, eux, ils se sont motivés, on sait pas trop pourquoi. Tire sur eux, là. Vous allez me faire une rotation synchronisée. Hop! Natation. Ah, ils sont stoppés pour tirer là-bas? Ah. Ah, attention, restons plutôt ici. Restons plutôt ici pour le moment. L'artillerie, j'ai l'impression qu'elle s'est stoppée. Je vais essayer de tirer là-bas, je sais pas si ça va le faire, mais on va essayer de tirer là-bas. Ok. Où est la cavalerie là? Ça c'est une cavalerie de tir. Tir. Ça c'est cavalerie de charge. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive là? C'est de l'artillerie là encore? Ah oui, d'accord. Vous allez avancer ici. Je vais mettre là. Ouais, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la meilleure zone, mais on verra après. Ok, ok, ok. Ça tire là? Ça met la pression ou pas? On a tué personne? Jaguar. Bon, ok. Tire là-dedans. Bon, là, on se met en position tranquillement. Ok. Je mets en x2. Oh, il y a un tir qui passe ici, hein. Ils sont trop forts aussi. C'est quoi ce tir qu'ils font? Ordre de groupe. On va se mettre comme ça. Les renforts sont là-bas. Je vais mettre là derrière. Mettre comme ça. Ok. Toi tu vas venir ici là. Ça tire de là là. Vous allez courir vous. Mettez-vous vite en position. Ah là c'est pas mal là. Oh, bon c'était déjà le cas en fait. Artillerie, artillerie. Venez mettre la pression là-dedans. Parfait ça, ça fait mal direct. C'est quoi là? Ok. On va pouvoir faire une charge là-bas. Là on a la pression. Je sais pas si je vais avoir la portée mais ils sont encerclés. Ils sont encerclés. Toi tu as avancé d'un cran. Ok les gars, c'est pas si mal ce que vous faites, hein. C'est pas si mal ce que vous faites, hein. Je tiens à vous le dire. Je suis assez fier de vous, hein. Ok. Où ma cavalerie, là? Cavalerie. Tu vas me faire une charge là-dedans, là, sur le côté. On va venir attaquer là-bas. Enfin, se positionner là-bas. L'artillerie a bougé. Non, viens là plutôt. Non, viens là-bas. Avance un cran, toi. Ok, c'est pas mal ça, la charge ici, ça va déstabiliser le flanc. C'est bien ça. Boum. Ça disparaît. Parfait ça. Oh les deux ont été eus. Boum, on attaque derrière là, on attaque derrière. On continue la pression, on continue la pression. Mettez-vous ici vous. Là l'artillerie on l'a eu. On va charger sur la deuxième, on charge sur la deuxième les gars, on perd pas de temps.
Un gars, vous avancez. Vous avancez, les gars. Vous avancez, les gars. Toi, tu vas te reculer. Un chercheur d'artillerie là-bas, c'est fait. Comment ça se passe? Boum, c'est vaincu. Ok, repliez-vous, les gars. Là, stop. Ouvrez le feu. C'est du génie. Tiens, ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ils sont en train d'avancer. On a encore là-bas, hein, derrière. Hein. Si jamais il y a un pépin... ça passe large, hein. Ok. Un cavalerie, là. Un cavalerie. Pas mal. Ok. Toi, ce qui serait intéressant, à la limite, c'est de te retourner, tu vois. Ça peut être une idée, hein. Et là, ils sont en train de nous faire une charge. Préparez-vous à vous battre. On va faire circuler. Ça tient là-dessus là? Oui, ça tient. Ok. La cavalerie elle est où là? Là. Il va me faire une charge là-dedans. Il va me faire une charge là-dedans. Là. Là où on a eu un repli, on s'est repositionné. Boum, charge de l'autre côté aussi, c'est extraordinaire! C'est tellement bien joué! Mais charge toi! Oh, ils ont tenté une charge, malheureusement, c'est pas passé. Hein. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt. Y'en bas derrière, y'en bas derrière, y'en bas derrière! On se retourne, les gars! On se retourne, on se retourne! Ils se sortent motivés, eux! On y va en courant! Tiens là-bas! On se repositionne vite, on se repositionne vite. Vous allez partir là-bas, vous. Fais-moi une charge ici, toi. Fais-moi une charge ici, toi. Fais-moi une charge. C'est bien, les gars. C'est fini, toi. Les munitions, les Prussiens ont l'air de se faire défoncer. Je sais pas si les Prussiens sont... bah si, ils sont défoncés. Du génie! Merde. Je voulais faire reculer eux avant qu'ils me retrouvent. Ok, c'est good. Ah, il en reste une. Il y en a une qui s'est remobilisée, là. Il y a une troupe qui s'est remobilisée. Il y a une troupe qui s'est remobilisée. On l'aime pas trop trop l'idée. On va se repositionner là. Allez pas mourir bêtement vous. Retournez-vous vous. Parfait. Vous allez stopper vos tirs de... là-bas, là? Tire là, là. Là, 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 ils sont en train de passer, ils se disent, bon les gars, ça suffit ou... Ok, c'est bon. Feu, les gars. Feu! Feu! C'est eux qui arrivent à la dernière, donc c'est parfait. C'est parfait. Ok, feu. 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 Faut faire une petite charge. Faut faire une petite charge. Faut faire une petite charge. Vous avez arrêté vos tirs là. Chargez. 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 Plein face, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais la deuxième charge qui arrive dans la foulée. Et boum. Bien joué. C'est gagné. Mais bon les gars, vous pouvez stopper. Chut, ça suffit. Finir la bataille. On a vaincu les Prusses.
Clèves a été perdu. Enfin, va être perdu. On perd 400 hommes, on en tue 1100. C'est pas si mal. En plus, ici, bien, on n'a pas pris beaucoup de dégâts. J'ai envoyé l'état-major dans le vent ou... Peut-être. Impossible, monsieur. Impossible, monsieur. Monsieur. À gauche. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Installation du camp. Préparez-vous pour la bataille. Préparez-vous pour la bataille. Continuez le siège. Il se cache. Tenez-vous prêt. Les jupons des femmes. À gauche. Marchez. Je sais pas si du coup il va y avoir les renforts. Cible assiégée, monsieur. Plutôt sortir. Marchez. Hein. Ah, plutôt sortir. On est sur le pont, on n'est pas soigné du coup. On va attendre un petit peu de se soigner quoi. Ça c'est fait. On est où dans les tours là? Ok, ça c'est le prochain tour. Et on a 2500 pièces d'or. 2500 pièces d'or, c'est la possibilité d'investir. D'investir dans quoi? Pourquoi pas dans un truc. Genre. Ouais, ça peut le faire. Hein. Rien du tout. Hein. Ah, c'est ici. Caserne. Ça sert à rien, je peux investir dans une caserne à Marseille. Tiens, là-dedans. Ah bah je peux pas. Pourquoi je peux pas? Ah si, bon. Au niveau recherche, on est en train de faire ça. Recherche en cours, j'avoue que ça m'intéresse pas trop trop. Hein. Peut-être plutôt faire drainage de terre. Pour pouvoir faire des bâtiments. Logistique, ok, on verra après. Si tu mets pas le siège, l'armée ennemie, elle aussi va se soigner. Ouais, mais c'est pas si grave dans l'absolu, parce que j'en ai forcément tué plus. Et le truc, c'est que s'ils sortent du siège pour m'attaquer, je pense que j'avais pas mes renforts. Et je préfère être sûr d'avoir des renforts s'ils sortent. Vas-y, je vais faire, mais ça m'énerve. Je préfère être sûr d'avoir les renforts s'ils sortent plutôt qu'ils sortent et je me retrouve à 1 contre 2, quoi. Je préfère les laisser soigner un tour et être sûr de, au prochain tour de pouvoir passer à l'offensive. Ah oui, lui il est parti quoi. C'est on fait couler tous les navires marchands français quoi. Retirez-vous. Le riz. D'accord. Il va falloir prendre le dessus dans la, dans la mer Méditerranée. Petit bug de son. On apprécie. On apprécie ce bug de son bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ça va être supprimé. Dès qu'on a la possibilité de bouger la caméra. C'est un jeu assez récent, hein, donc les mises à jour de correction de bugs, bon, ils n'ont pas encore eu le temps de les faire, quoi. Route bloquée par Louis Davout. C'est pas très très grave, ça. Monsieur, vos ordres? Alors. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah bah si, il y a eu un petit... Ah, bah c'est pas si mal, au final. Monsieur, vos ordres? Attends. Oui, monsieur. Préparez-vous. Parce que eux se soignent, certes, mais ils ont quand même perdu des unités, je pense. Oui. On va chercher une Innsbruck, là. Merci beaucoup, Amy. Bonjour à toi, merci beaucoup pour ton 20e mois d'abonnement consécutif. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Innsbruck. Ah ouais, il n'y a pas de défense, donc on va faire auto-résolution. Hein. Nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Occupation pacifique. Innsbruck est récupéré déjà. Maintenant, direction Vienne. Vienne. On a 2100 pièces d'or, commence à être... alors pas peu, mais on en gagne moins quand même. Hein. On le sent. Solidement arrivé, mon capitaine. On va essayer d'aller là-bas. Il va nous falloir une petite flotte pour repousser quand même... Ah non, parce que les Autrichiens, de toute façon, on va les faire tomber après. Je peux y aller là? On tente. Hein? Non, on m'attaque pas? Non, bien sûr que non. Oh non, on va pas m'attaquer. Hein. Si on attaque ma flotte, je suis un peu déçu. Bon, on fera repli, mais on sera déçu quand même. Vos forces ont pris le contrôle de la région, etc. Route bloquée, rapport de recrutement. En Picardie, on avait VPR en plus. Oh! Ah non, c'est navire cargo. Mais navire cargo, la Méditerranée, pour l'instant, on l'a plus. Donc, voilà. Armée. Monsieur? Oui, monsieur. Oui, oui, monsieur. À gauche. À gauche. Votre humble serviteur. Troupe, à l'avant. Recevoir vos ordres. Hop. Hop. Nous ne pouvons faire cela, monsieur. Nous ne pouvons faire cela, monsieur.
Oh non. Oui, monsieur. En avant. Voilà. 4 d'artillerie ici. Ici, on en a 4 aussi. Non, 3. Si, 4. L'offensive va faire mal. L'offensive va faire mal. Ah, on peut construire ici. Port de commerce. Chantier naval. On est à Toulon, là. On est à Toulon. Je fais un chantier naval. Je voulais pas en faire un à Toulon, mais au final, c'est vrai que prendre le contrôle de la Méditerranée peut être une idée intéressante. Derrière, on a encore les Ottomans qui vont nous embêter, donc... protégeons nos navires de commerce. Badge du club des explorateurs. J'ai fait un succès Steam. Très bien, et toi? Je vais bien aussi, merci beaucoup. On va se venger de la défaite de Vienne. Napoléon va arriver avec une forme olympique. Donc on a confiance cette fois-ci. Ah mais c'est vrai que j'ai des navires ici pour prendre raison d'espion. Tu peux faire quelque chose ou pas? Ah, on peut assassiner. On retente. Oh, votre agent a rempli sa mission d'assassinat d'un agent d'une autre nation. Il attendra de nouveaux ordres au prochain tour. On a assassiné Johan David Ludwig. Je sais pas trop qui c'était, mais ça fait plaisir. Alors, attendez, parce que c'est vrai que du coup, il y a ça, là. Hein. Pourquoi on n'irait pas défendre? Hein? On a une petite flotte pour aller défendre. Napoléon. Ici, réparation. Tac. Napoléon. Tu vas avancer jusqu'ici. D'accord? Effectivement, la Prusse a pris Prague, hein. C'est très bien vu. On va venir ici. Comme ça, ça nous fait passer un tour de plus dans le soin. Et après, on pourra passer à l'offensive. Vienne. On a réussi à rejoindre Calais. Avec notre flotte. Bon, ça fait pas... ça en fait pas une flotte extraordinaire, hein, mais... Ah, ils sont dans la forêt, attention là. Ah, puis il y a des gars derrière aussi. Hein. Ouais, mais bon, l'avantage c'est que si je fais tomber l'Autriche, c'est fini quoi. J'aurais peut-être dû protéger Innsbruck parce qu'il y a une contre-attaque, j'ai l'impression. Mais si je prends Vienne, il n'y a plus de soucis. C'est vrai. Drainage de la terre. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, on va pouvoir aller chercher ceci. Expiration de l'accès militaire. Avec S. Ouais, bah écoute, on s'est fait avoir sur nos traités. Hein, donc, on s'est fait clairement avoir. Ici du coup, propriété équestre, boum, ça apporte quoi? Moins 9% en coût de recrutement dans la région pour la cavalerie et 200 pièces d'or. Et bah pourquoi pas. Manufacture, des sous. On prend les sous. On prend les sous dans la région. S'enrichir. Bon, écoute, s'ils viennent rechercher Innsbruck, ils prennent Innsbruck. Napoléon, il a autre chose à faire. Oh non! Et le pays. Autre chose. C'est parti! On a les renforts. Oh bah y'a personne. Y'a personne. Ils ont fait l'erreur de se dire on est trop fort, on l'a éliminé. Sauf que c'est Napoléon, les gars. Napoléon, ça revient à tour de bras. Hein. Ah non, c'est une embuscade. Bon, de toute façon, on élimine l'embuscade. Personne ne nous vaincra. On perd 140, on en tue 504, donc voilà. Ils avaient préparé une embuscade dans la forêt, dis donc. Monsieur. Monsieur. Eh bien, monsieur. En avant. En avant. Pour la couronne et le pays. Et le rappel pour la bataille. Let's go. La bataille pour l'Autriche. Pour forcer le traité de paix à l'Autriche. J'y vais, parce que bon, on l'a gagné à coup sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, j'ai envie de me venger, tu vois. On a envie d'y aller. On a Mura avec sa cavalerie qui va arriver, il va faire full charge. Ça va faire plaisir. Let's go. Prenons Vienne.
Napoléon et Murat face à Johann Vogt. Va, mon ami, élimine cette pauvre Vasiliki. Et que ces chiens ne profanent pas ces formes magnifiques. Dernier mot d'Ali Pacha, chef turc, le lion de Janina. Alors, qu'est-ce donc que ceci? Ne serait-ce pas un champ de bataille? Oh. Écoutez, avec trois canons, je pense que eux, je vais les avancer pour venir les mettre là. Et les autres vont mettre la pression. Hein. C'est très très bien comme ça. Hein. C'est très très bien comme ça. Il y a du monde quand même en face. Hein. On n'a pas l'impression, mais... Il y a un peu de monde. Hein. Fantassin léger. Infanterie de ligne. C'est que de l'infanterie de ligne, quoi. Ah ouais, on a que des fantassins, quoi. Ah bah d'accord. Ah mais on a que des fantassins, quoi. Peut-être falloir qu'on recrute autre chose, hein. Ah très bien, bah écoutez, let's go. Napoléon. État-major des généraux. On va se mettre là pour soutenir les premiers tirs d'artillerie. Et après, on se déplacera pour avancer là. Ici, on va avancer avec tout le monde. Hein. Tac. On va positionner l'artillerie. Ici. Et let's go. En avant. Ah, attendez, je vais mettre là-bas. Feu. Artillerie. À portée de tir. Dis donc. Ordre de groupe. Voilà. On va avancer. Infanterie de ligne. Je vais mettre un peu derrière parce que j'ai quand même peur de... qu'ils se prennent un coup de... un coup de tir d'artillerie et on serait un peu déçus, quoi. Horde de groupe. Ouais, je vais venir les mettre ici. Marchez. Donc ils seraient pas en train de courir. Infanterie, au rapport. Ok, en position. Fantassin léger. Artillerie au rapport. Stop, 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 stoppez-vous, stoppez-vous. Ok. Bon, vous. Hein. Ils sont bien sympas les gens, mais c'est vaincu. Je peux tirer là? Fais un petit recul. Ah oui d'accord, il y a une petite charge de ce côté là. Bon j'espère que ça tire. Hein. Ça devrait tirer. Vous, vous êtes cavalerie de charge? Non vous n'êtes pas cavalerie de charge, vous pouvez venir en soutien. Vous pouvez tenir en soutien. Ok les gars, on se déplace. Ouais. Ok. Napoléon, tu vas venir te mettre ici. Ah ouais, non mais là ça fait mal les gars. Ah non mais là c'est une erreur ce que vous faites. Je vais me mettre en carré ici. C'est pas forcément la meilleure, mais... Il y a des unités qui se... Venez, venez, venez. Courez. Remettez-vous en position rapidement. Vous allez passer par ici, vous.
Dépêchez-vous. L'artillerie, là. Elle va tirer là-bas. Ok. C'est gagné. C'est gagné. Repli, repli. Tiens là-bas. Ok, c'est pas mal. C'est pas parfait. Mais c'est pas mal. Vous allez revenir par ici, vous. De ce côté-là, ça va être géré. Stoppez, stoppez. Rotation. Boum. Vous allez vous replier. Mettez-vous en sécurité. Vous pouvez stopper ça. Mettre la pression là-dedans. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Qui ça? Qui c'est qui me retraite? J'étais justement en train de les replier. Oh, je suis dégoûté. Qui c'est qui me refait? Ah, c'est de la cavalerie. Merde. Oh, tant pis. Et Murat, il est pas arrivé d'ailleurs. Il était pas censé venir en soutien, Murat. Murat, il dit non, en fait, y a pas besoin, donc j'y vais pas. Ok. Nous avons pris un bâtiment, monsieur. C'est très bien ça, les gars. C'est du beau boulot. J'ai vraiment l'impression que... mon artillerie attire pas là où je veux, quoi. Pourquoi ils m'obéissent pas, hein? Là-bas, j'ai dit. Hein. Là-bas, j'ai dit. Bon, là, on les a eus, c'est parfait. On va faire pousser la cavalerie. Ah, ça y est, les renforts arrivent. Les renforts arrivent, on sait pas où, mais ils arrivent. Ok, stop. Ouvrez le feu. Ok. Toi, tu vas te mettre par là. Parfait. Ils vont se prendre une salve, ils vont partir en dépression. Et toi là. Ok, là c'est good. Hop, on va pouvoir venir mettre la pression ici. C'est parfait. Murat, on sait toujours pas où il est passé. Je croyais que des renforts arrivaient, mais c'est ça les renforts là? Mais il arrive dans le dos! C'est incroyable, il arrive dans le dos! Vous savez qu'il arrive dans le dos? Maintenez vos positions, ouais, bougez pas plus que ça parce que. Rotation. Non, de l'autre côté les gars, on n'est pas du bon côté! Et eux, ils vont continuer d'avancer. Ok. Les tirs ici. Ah, la pression a continué à être mise. Ah, ça se passe à peu près. La cavalerie attend les ordres, monsieur. Horde de groupe. On va tirer sur lui. Vous là. Tirez là. Si tu peux tuer ça, ce serait parfait. Boum boum boum. Ah d'accord, ils sont un petit peu à l'arrière. J'avais pourvu. Oh! Mais il est passé lui, hein. Bon, ils sont sous pression en tout cas. Ils sont sous pression. Ça se passe pas mal. Je vais mettre comme ça pour grossir la ligne. Grossir la ligne. Ici là-bas, comment ça se passe? Bah ça se passe, j'ai envie de dire. Tout simplement. Rotation, les gars. Tiens ici.
La pression est mise. On va venir faire un... C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Un tir là-dedans. On a tué un général. On a tué le général, là-bas ça part en retraite. C'est bon, c'est gagné. Il reste plus que là. Ça part en retraite aussi. La vengeance. Mural est même pas venu. Enfin si, il est venu tout seul. Il a oublié de ramener ses troupes. Mural, il a oublié de ramener ses troupes. Finir la bataille. Vienne est tombée. Conquête. Bonjour Icefang. Empereur Roy jusqu'à ce... Jusqu'où s'étend l'Empire à présent? Bah on vient de prendre Vienne. On vient de prendre Vienne. On est plutôt content. Murat, il est même pas venu avec son armée, j'ai pas compris. La chute de l'Autriche. L'Empire autrichien, autrefois puissant, est maintenant à votre merci. Mon empereur, comme Vienne est tombée, il cherche désespérément à signer un accord de paix entre nos deux nations. Il nous a indemnisés pour la résistance qu'il a osé opposer à notre grande nation au cours de ces dernières années et demande l'arrêt des hostilités, si bien qu'il ne représente plus la moindre menace dans l'immédiat. Néanmoins, étant donné la nature du différend qui nous sépare, ce n'est qu'une question de temps avant que les Autrichiens nous affrontent de nouveau. Très bien. Un traité de paix a été signé entre cette nation et la vôtre. Il reste à voir si cette trêve donnera naissance à une paix durable ou dégénérera en nouveau conflit. Eh bien, occupation pacifique de la ville, là. Alors. Vienne est à qui? Vienne est à eux ou Vienne est à moi? Parce que si Vienne est à eux. Je la pille. Tu vois, ça me fait 34 000 pièces d'or. C'est énorme. Mais si elle est à eux. Non, si elle est à moi, autant faire une occupation pacifique. Le pillage aura pour conséquence des dommages importants pour tous les bâtiments de la ville. On la pille, hein. Longue vie à l'empereur. On peut la piller. L'ordre public, il y aura une vraie catastrophe, mais... On pille Vienne. On se venge. Est-ce qu'on est du genre à se venger? Oui, bien sûr. On est obligé, de toute façon. Parce qu'on a perdu du temps, on a dû reformer une armée... Un accord incommensurable, 34 000 pièces d'or. C'est énorme en vrai, donc. Après, prévision de la richesse de la région, 2652. Je sais pas si ça amène 2000 par tour, mais c'est assez énorme, tu vois. Dans l'absolu, c'est plus rentable sur le long terme. Le truc, c'est que je sais pas. Parce que le traité de paix, il s'est signé automatiquement. Du coup, est-ce que ça veut dire que l'Autriche récupère Vienne sur le traité de paix et donc, de toute façon, je l'aurais pas et je pourrais pas, machin? Ou est-ce que le traité de paix est signé automatiquement, mais Vienne est à moi? Tu gardes Vienne. Je garde Vienne. Moi, je vais peut-être pas la piller, alors. 34 000 pièces d'or, c'est énorme, mais... Si c'est pour avoir full rebelle... La parole de l'empereur est loi, de toute manière. Si c'est pour avoir full rébellion, ça va m'empêcher de partir vers Moscou. Donc, pas forcément la plus truc plus intéressant. Ah ouais, d'accord, ok. Nous sommes en paix. Et Vienne est à moi. Bon, donc ils ont fait signer un traité de paix où ils récupèrent pas leur capitale, quoi. Bon, en même temps, ils ont perdu. C'est vrai qu'ils ont perdu. C'est vrai que ça peut être une raison. Mais du coup, j'ai... C'est bizarre, ça. Je sais pas pourquoi je les ai pas eu en renfort. Ah, c'est parce que j'ai pas perdu de troupes. Et comme j'ai pas perdu de troupes, les renforts de Murat, ils sont pas arrivés. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Bon, du coup, Vienne étant conquis, l'Autriche étant éliminée, on a normalement plus rebelles dans le coin. Enfin, plus vraiment. Fais-moi un comptoir commercial ici. Marine. Tiens, viens récupérer là. On n'a plus l'armée, la flotte autrichienne qui vient nous embêter ici. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Oui. On peut aller s'occuper. Oui, oui. Monsieur. Monsieur. Voilà, on a les renforts ici. Et bien, direction Clèves, bien sûr. Nouvel assaut. Nouvel assaut. Dis, tu peux conquérir le monde dans le jeu ou c'est pas possible? Enfin, toute la carte. Si, si, hein. Je pense que c'est possible, après faut avoir le niveau, je pense, mais c'est possible. Let's go. Clèves. C'est possible, après,
Le truc, c'est que là, je suis en mode campagne et donc on a un certain temps, quoi. Merci beaucoup, Evan. 2 ans d'abonnement consécutif. Incroyable. 24 mois de fidélité. Merci beaucoup pour ton soutien, Evan. Merci beaucoup. Un soutien, pour le coup, plus qu'indéfectible à travers le temps et les âges. Donc, merci à toi. 2 ans, c'est fou, hein, quand même. Ça fait dire que ça fait au moins 2 ans que je fais des lives, quoi. Hein, on vient. Toi, tu viens ici. Hop, toi, tu vas venir là. Quoi ? Quoi faire ? Canon de 8 livres paraît à tirer. En se mettant ici, on est content ou pas ? Pas plus que ça non plus. Hein. On va les avancer d'un petit cran. On va les avancer ici, avant de commencer à tirer. Ouais, 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 pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Le canon est prêt, monsieur. Ah, je peux pas me mettre là, Léon. Ok. Donc ce qui pourrait être éventuellement intéressant, c'est de récupérer genre lui et lui, les mettre ici, pour qu'ils commencent à faire feu. Lancez des ordres, monsieur. Lancez des ordres. Le canon est prêt, monsieur. Qui commence à faire feu. Monsieur, lancier. Lancier. Les lanciers, je vais les mettre sur le côté. On a quoi? On a de la milice, fantassin et beaucoup de milices en fait. Hein. Je vais les mettre ici. Ordre de groupe. Et eux vont se mettre là. Ok. Toi, on sait pas qu'est-ce que t'es comme général. Hein, tu n'as pas de particularité. Hein. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement te mettre ici. Comme ça, on sera à l'abri des tirs de l'artillerie. Et vous, vous allez avancer, vous mettre en prendre position de la colline là. Pendant qu'eux tireront. Là, on avance pour protéger le flanc ouest. Je sais pas si c'est l'ouest, mais en tout cas le flanc. Et ce côté-là, on protège ici. Et je pense qu'on va faire... On va peut-être séparer en 2-2. Mettre 2 au centre pour tenir le centre. Et 2 qui resteront là sur le côté et un peu sur la colline. Ouais, on va faire ça. Ok. J'aime démonter l'arrière-train. Ce sont des coquins, les gars. Quoi? Comment? Let's go. Les renforts sont en train d'arriver. Ouais, bah écoute, ça me va. Tire où tu veux. Tire où tu veux, ça me va. Eux vont avancer ici. Eux vont avancer là. Ça, c'est quoi? C'est cavalerie de charge. On va la mettre ici. Les renforts sont en train d'arriver derrière avec état-major et cavalerie. Cavalerie qui tire ici et chasseur aussi. Ok. Enfin, cavalerie qui tire. Oh, déjà là? Oh, ça a été tellement vite. Horde de groupe. À vos ordres. Alors. Toi, t'es une première cavalerie de charge. Je vais me faire le plaisir d'aller soutenir par là. Bah, t'es pas forcément une cavalerie de charge, d'ailleurs. Toi, tu vas venir ici. Les autres vont aller essayer de se déplacer tranquillou. Vous, vous êtes pas en position, là? Bah, si vous êtes en position, tac, apprêtez-vous à ouvrir le feu. Ok. Tu vas venir me mettre la pression au centre. La pression au centre va être nécessaire. Parce que... Hop, 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 attention, c'est quoi, là? Tirer là? Ok, ça tire bien en plus. Ça tire bien, ça c'est bien. Ça on est contente ça. Ça, ça bat en retraite déjà. Une première victoire qui fait plaisir. Première victoire qui fait plaisir.
La milice attend les ordres, hein ? Elle nous fait un peu galérer, la milice. Je vais mettre en carré d'infanterie ici. Ok, là c'est battu. Parfait. On a repoussé la charge. Tiens, viens tirer là-dedans. On a de l'artillerie encore derrière qui arrive en soutien. Vous allez avancer d'encore un cran pour être sûr de prendre la hauteur. Hop. Oui, tu vas venir ici. L'état-major, il va venir là. On sait pas qui c'est lui. Il a rien de particulier. Lancier. Attention, il y a une charge de cavalerie. Il y a une charge de cavalerie, les gars. Vous êtes à l'envers, vous. Attendez, oh la vache, le champ de bataille est long. Hein. Ok, la pression est mise là. La cavalerie a été repoussée. Qu'est-ce qu'on a là? On va venir ici en soutien. Parce que là, attention les gars, hein. Attention les gars, parce qu'on n'a pas de protection de l'artillerie au centre là. Faut qu'elle se protège toute seule. Bon, ça fait mal l'artillerie quand même. Tiens ici. Vous. Je vais me faire une charge ici. Il vient de mettre la pression sur l'artillerie, mais tout va bien. Tout va bien parce qu'on a du génie tout simplement à l'intérieur de notre corps. Toi, tu vas venir ici. On va attendre un petit peu avant de faire une charge de cavalerie. Là c'est good. Il faut une charge là. Mettez-vous au corps à corps. On va faire une charge là-bas. Ok, ça me semble pas mal. Ça me semble pour l'instant ça tient. Vous, c'est très très bien joué. Ça va tirer là. Tire là-dessus. Retourne-toi pour tirer là. Toi aussi, retourne-toi. Oh, ça fait mal. Ça fait mal à la charge d'artillerie. Ici, c'est good. Viens derrière là. Tire là-dessus là. On soutient. On soutient, le général est derrière vous les gars. Ne baissez pas les bras. Charge là-dedans. Tourne. Pour tirer là. Et toi tu vas tirer ici. Merde, qu'est-ce qu'ils font eux? Appuyez-vous. Tire ici. Ok, c'est parfait. Là-bas. Toi, tu vas te replier parce que bon. Oh non, mais j'ai pas eu le temps! Ah, j'allais stopper en plus. Tristesse et déception. Ok. Toi, tu vas venir ici. Non, continue d'ouvrir le feu là. Hein. C'est très bien ça. Tiens, tire sur le général. Toi, tu vas te replier. Va te replier, le boulot est fait. Là t'es en train de te faire rouler dessus. Oh, ils sont même pas encore arrivés quoi. Ok. Repliez-vous. Ouais, la cavalerie elle attend les ordres, mais cavalerie on a fait ce qu'elle peut. On a pas réussi à tuer le général avec les canons. C'est un petit peu dommage.
Vous allez avancer, vous. Vous allez avancer, on va tirer là-dedans. C'est pas mal. Ici, on a l'avantage, normalement, là. Là, au centre, c'est fait. Tu vas pouvoir te retourner, toi. Pour être occupé de ceux qui sont là-bas. Les lanciers. Tac. Ok. Tire là-dessus, là. C'est une belle victoire. Ouais, oui, c'est une victoire, mais sécurité. Ils sont 120, hein. On va pas faire une charge maintenant. Mais qu'ils y vont ? Ils sont du mauvais côté. Merde. Ah non, j'allais dire. Feu ! On en a tué deux. Chargez là-dedans ! Chargez sur le flanc. Toi, tu allais tirer là-bas. Vous allez avancer. De l'autre côté. La charge de la cavalerie, là. Boum, qui fait mal. Ah, ça met la pression, ça, tout de suite. C'est du beau boulot. Arrêtez-vous, là, hein. C'est fini, là, les gars. Tiens, venez faire une charge là-dedans, au passage. Double charge. Oui, ils continuent à mettre la pression ici. Un gros charge, grand charge. Grand charge, j'ai dit. Boum! Allez, y'en a qui volent, hein. Y'en a qui... C'est très bien joué, ça. Bonjour, Grizz. Bonjour, Tintin. Bonjour, Tchetch. Ok, ça, c'est fait. Unité est à court de munitions, monsieur. Oui, non, mais là-bas, de toute façon, on a fini le combat. Hein. Ça, y a pas de souci. La bataille est terminée, là. La bataille est terminée sur le fond ouest. C'est pas forcément l'ouest, hein, mais en tout cas, c'est le côté dans lequel on est. Attention les picots, là. Ah merde. Les dégâts que ça a mis, quoi. C'est abusé. Ok, c'est bon. Ouah, la vache, je pensais que le fait d'être tout près, qu'il n'y ait pas l'adversaire, on aurait peut-être pensé à esquiver, tu vois. Apparemment, ils sont un petit peu aussi intelligents que des manches à balai, quoi. Jason, bonjour à toi. Bon, victoire. C'est une bataille pour quoi, déjà, ça? Je me souviens plus. Victoire. Ouais. En 1006, on en perd 500, bon, voilà. Ah oui, c'est pour Clève. Préparez-vous pour la bataille. Ah, on peut libérer Westpally. On peut les libérer pour en faire un état sympa. Je vais faire une occupation pacifique. Hein, ce sera tout aussi bien comme ça. Hein. Monsieur, vos ordres ? Oui, très bien. Ah, c'est pas vrai. On peut attaquer Hanovre ? On peut récupérer Hanovre, du coup ? Peut-être. Peut-être qu'on va pouvoir récupérer Hanovre. Et ça, ça serait bien. Ça, ce serait bien. Ici, du coup, toi, t'es parti automatiquement. Vienne est tombée. Donc, officiellement, prise de Berlin. Berlin, là-haut, un peu loin. Hein, on va pas se le cacher. Sachant qu'il faut aussi aller vers Moscou. Et on a les Ottomans aussi qui nous font la guerre. Hein. Mais bon, après, voilà, écoutez, est-ce que j'y peux quelque chose, moi ? Hein ? Pas forcément. C'est qui, ça ? Les Prusses ? La vache, mais... C'est abusé, ce qu'ils sont trop forts. Révélation, ça veut dire quoi? Économie. Ah, c'est les recherches. Oh. Ah ouais, d'accord. Et tu sais que je suis pas le plus fort, hein. Je suis moins bon que l'Empire Ottoman. En naval, je suis pas très bon. Je suis en train d'investir. En naval, il va y avoir deux gros navires qui vont arriver, là, dans 2-3 tours, je pense. Économie et industrie, on est absolument pas bon. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir investi. Hein. Waouh, ok. Ok. Du coup, l'Autriche est tombée, il faut s'occuper de la Prusse orientale, du gouvernement de Moscou et de Brandebourg. Hein ? Comment ça va ? Bah, je vais très bien, moi. J'espère que toi aussi. C'est fou, parce que j'ai même l'impression d'avoir pas mal investi. Non ? Ah, ça y est ! On a Graz ? C'est où, Graz ? Ah, là. Ah, ouais.
Un agent. Gentilhomme. Tiens, viens là. Ah, ça y est. Duel ? Comment ça ? Le duel est la façon la plus appropriée de résoudre les problèmes et les disputes. Ah, je sais quoi tout ça ? C'est les agents russes, autrichiens. On va peut-être pas faire des duels contre eux, hein. Pas la misère, ça. Si je vais là-dedans, ça fait quoi ? Ok. Alors, ici, normalement, on a notre 4 tours. Ouais. 4 tours et on en a deux gros, un 122 et un 80 qui arrivent. Ce qui est pas si dégueu, quand même. À monter tout doucement notre flotte. Bon, après, du coup, l'objectif d'envahir l'Angleterre, limité. Hein. Parce que là, il faut qu'on avance vers Berlin. Ce serait bien de reprendre Hanovre aussi. Pas maintenant, quoi. Pas maintenant. Infrastructure ici, on peut réparer. Hop. Et on pourrait recruter... non, on va rien recruter pour l'instant, parce qu'on ne peut pas. Tout simplement. À Venise. On répare à Venise. Ben voilà. Ici, on n'a pas un bateau. Un tour. Un tour, on récupère un navire. Toi, tu viens récupérer ça. Ok. Bon, let's go. Prochain tour. Juin 1806. Bon, normalement, l'Autriche, du coup, ils sont plus censés nous attaquer. Hein, Molo, les gars. Molo, hein. C'est fou l'infrastructure. Mais du coup, prendre la... C'est qui ? C'était la Prusse ? Si je récupère tous les pays, enfin toutes les villes de Prusse, très très sympa ça. Hein. Parce qu'on va prendre son investissement, enfin récupérer son investissement. Les gens de cette région sont en grève. À Vienne ? Oh les gars, on se sait que vous êtes en grève. Vous voulez pas vous laisser faire ? Surprenant ça. Voltigeur tirailleur. Ah, sympa. Sympa. Parce qu'au final, on a quand même que des fusillés. C'est vrai qu'on a que des fusillés, quoi. Ce serait peut-être bien d'investir dans... Voltigeur tirailleur, tiens. Grenadier de front. Et derrière, on va ajouter Namis. Vous savez quoi si on est là-dedans, là ? On les vire pas, les agents, là ? C'est qui, ces agents, là ? Pas la misère, ça, hein. On va pas faire un duel, même. À vos ordres. Et ouais, on peut y aller. Ah, ça, ça fait plaisir. Je ne peux faire cela, général. On va recruter deux milices qu'on va laisser ici. Oui, oui. On va avancer là. C'est vrai que c'est fou quand même. Alors militairement, je suis le plus fort. 126, le deuxième c'est la Russie à 120. Ils sont pas si loin quoi. Ah, c'est vrai que l'Angleterre par contre, il y a personne quoi. L'Angleterre c'est une chèvre. Hein. Je vais débarquer. Hein. Sa puissance navale elle est pas mal, mais... son économie elle est tellement mieux que moi aussi. C'est fou, j'ai zéro économie en fait. Et c'est parce que... Ah non mais c'est l'armée. Hein. Non. Tu me diras non parce que... C'est fou, pourtant j'ai investi, non. J'ai l'impression d'avoir investi dans les bâtiments. Je peux plus rien construire là. Moi bon, j'ai pas assez de sous mais... Ah si on peut construire une maison de marchand. Hein. Ok, ça c'est fait. On va laisser je pense la milice arriver. Fusiller. Il nous faudrait une troisième armée je pense. Il nous faudrait une troisième armée, je pense. On va prendre des fusillés. Je vais prendre des fusillés. Je vais les sortir. Ce sera une troisième armée. Bon, on n'a plus de sous, mais ce sera une troisième armée. On mettra des pépères au fur et à mesure, quoi. À la limite, eux, ils vont aller se promener là-bas.
Recherche de ravitaillement. Ok. La guerre coûte cher. C'est sûr que la guerre coûte cher. Mais c'est surtout le côté... Ah non, mais d'accord, économie, c'est ce qui nous reste en dessous. Bah non. Parce que pour moi, côté économique, ça veut dire... ceci est fondé sur votre richesse et sur votre niveau de développement industriel et sur vos recherches dans les technologies industrielles. Ok. Vos recherches en philosophie. Ah, d'accord, ok. En fait, nous, on est assez équilibré, quand tu regardes. À part en aval, sinon le reste est quand même globalement équilibré. Alors que là, bon... Les Prusses sont pas dégueux, mais ils sont quand même nettement inférieurs à moi en militaire. Mais du coup, ils sont un peu déséquilibrés, quoi. Tu vois, ils ont deux très forts et un bon, quoi, on va dire. L'Empire Ottoman, ils sont certes très forts en économie, mais le reste est quand même pas incroyable. La technologie, là, en philosophie, il n'y a rien, quoi. Donc bon, voilà. Et c'est pareil pour tout ça. Ils ont pas de technologie. L'Espagne, elle a pas de militaire. C'est vrai que l'Espagne n'a pas de militaire. C'est bizarre, ça, même. Enfin, c'est bizarre, c'est fou, quand même. Bon, allez, prochain tour. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Faut voir ce que je... Molo, les Russes, là. Qu'est-ce qu'ils font, là? Faut voir ce que je fais. Est-ce que je me dirige tout de suite vers la Russie avec Napoléon? Ou est-ce que je vais regrouper les quatre armées vers Berlin, quoi? Des émeutes ont éclaté dans cette région. Ah bon? Les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Où ça, t'as dit? En Autriche? Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les des émeutes ont éclaté. Se transforment en rébellion. Bah ouais, mais les gars... La pression de la résistance. Bah go, on va investir là-dedans. 8 tours, c'est loin, hein. Les gars, j'y peux rien, moi aussi, hein. Milice. Soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Bah ouais, bah on dit, de toute façon. Hein. Non, mais de toute façon, ça va être dur à tenir, Vienne. Hein. Clairement, il va nous falloir une armée dessus. Je pense. Je pense. Comment vous êtes, vous? Prochain tour, vous êtes full soigné. Monsieur. Toi, t'es à peu près prêt. On va aller tenter de récupérer Hanovre. On n'a plus que 1600 pièces d'or, hein, par contre. Hein. C'est un peu triste. Hein. Deux tours. Manœuvrabilité basse. Ah, la marine, j'aimerais bien en faire, mais... Route commerciale attaquée. Bon, ça, c'est moi. Ok. Émeute en Autriche. Travailleurs en grève à Clèves. En Clèves, on a de la milice, mais on va peut-être en refaire. On va laisser 4 milices à Clèves. Normalement, Clèves n'est pas censé nous poser trop de soucis, mais il y en a quand même. Hein. Ah oui, il y en a un petit peu. Effectivement. Comment on peut faire en sorte qu'il n'y en ait pas? Ceinte entièrement les environs. Ah oui, ça n'apporte rien à part de la protection, quoi. Capacité de recrutement unité, hein, permet la recherche de machin. Yes. Yes, yes. Changer la politique. On verra. S'il y a une rébellion, on verra. C'est quoi, ça? Mise en bouteille. Ah, loi contre la pauvreté. Ça, c'est pas mal au final. Hein. Non. C'est vrai que je peux faire ça, là. Ah ouais, j'ai perdu un tour. J'ai perdu un tour de recherche. Mais c'est bizarre qu'on avait qu'une seule université. C'est ça qui nous fait perdre du temps, quoi. Réseau d'espionnage mis en place. À Prague. Agent. Niveau de construction. Notre agent a rempli sa mission. Boom. Prague, ils subissent. Hein. Salut les courants. Prague subissent. Bon. Eux s'en vont. Murat, hein. Murat, quoi. Murat, tu vas avancer par ici. À gauche, marchez. Et Napoléon, Napoléon, on va faire suivre. Sans milice. Merde, je me suis planté. Ah non, on va attendre un tour, parce qu'il y a un tour, on a tout ça qui va arriver. On va le sortir. On va le sortir et
On attendra pour regrouper. Ça marche. Let's go. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en train de faire tout le tour. Ah, mais attends, mais c'est... détruit, ça. Wroclaw. Wroclaw? Je sais pas le prononcer. On a les Russes, ils se disent, tiens, et si j'allais prendre Innsbruck? Et puis au final, ouais, je vais peut-être pas y aller. Donc, à force, peut-être qu'on s'occupe de cette armée russe. Hein. La Bavière y va, mais elle perd à chaque fois. Ouais, on va peut-être aller s'occuper de cette armée russe qui se balade en Bavière, là. Ça peut être une idée intéressante. Des émeutes ont éclaté dans rébellion en Autriche. Les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les... En diminuant les impôts? Comment on diminue les impôts d'une ville déjà? Exempter la région, changer la politique d'imposition. Les impôts sont fixés à un niveau national, pas cliquer sur n'importe quelle zone de la carte du radar pour vous éviter. Ah ouais, mais bah ils sont sympas. Les boutons plus et moins en bas à gauche permettent de régler le zoom. Ouais, ça va pas changer grand chose chez eux. Hein. On peut les exempter d'impôts, mais dans ce cas, j'aurais dû les piller, quoi. Comment tu gères? Comment tu peux gérer pour éviter que ça parte en... Parce que là, on est à moins 14. Hein. Répression 4. Moins 14, c'est assez énorme. Hein. Grand musée. Ça peut être bien. On investit dans un grand musée. On va faire de Vienne une jolie ville. Ils vont se dire, ah, ils sont... on est bien sous l'autorité française. Tu vois? Ils ont fait un investissement chez nous. Tu sais, il vous aura un grand opéra avant même que Paris en ait un. C'est quand même sympa. Bon, je bois un coup.